parce qu'on est en train de parler de spectacle, j'ai une petite surprise pour toi. Il s'agit de, nous l'avons retrouvé, ta première scène. Oh. Ah, c'était du théâtre muet apparemment. Très peu pour moi. Le matin, c'est Tchila, mais avant, c'est Tartine au Nutella. Bon carton, les garçons, venez mes côtés félines. Jonah, où tu as mis la terracotta? Et Benoucha, là, tu me prêtes en compagnie de Californie? Oh, j'ai perdu ma pierre des lattes. Oh là là, t'as cassé ton fil rouge. Qui m'a tapé ton Mekinder Bueno? Je tiens toujours cette race. Et j'attends Motsé Shabbat pour supplier maman de me rapatrier d'urgence à Patosland. Alors Marie, moi j'avoue que je t'ai découvert ce jour-là sur cette scène où donc ce spectacle, tu ne l'assumes pas du tout apparemment. Non, je l'assume, mais dans ma petite communauté c'est Faradoui, mais au grand public peut-être moins. Mais j'allais expliquer justement quelle la suite du spectacle. Tu expliques que donc on t'a envoyé dans une colo juive avec ses principes, etc. Et que toi tu ne rêvais que d'une chose, c'était de retourner dans une chez les goy, absolument, chez les cathos. Et donc la suite du spectacle est justement avec le comparatif avec les colos. Les comparatifs tout simplement entre les fins de race et les séfarades. C'est ça. Et il y a des grands comparatifs à faire. Et j'étais mais morte de rire ce jour-là. Je me suis dit cette fille est complètement folle. On avait rigolé. Mais j'étais complètement, mais vraiment. Ouais. D'ailleurs Marie, est-ce que t'as un message à passer au grand rabbin de France qui sera notre prochain invité? Petit pas message pour Pessard, en prévision des fêtes juives. Rak Sameach à tous les juifs, tous les juifs de France. Je leur souhaite vraiment tout ça. Et Pâques, parce qu'il y a aussi le lundi de Pâques, du coup. Tu peux y lundi aller. De Pâques, lundi de Pâques, c'est autre chose. Ouais. Je leur souhaite un lundi de Pâques. Dans ton spectacle, en plus, pour le coup, le show et nuit, ça n'a absolument rien à voir. Il n'est pas du tout question de ça. Non. De toute façon, ça n'aurait intéressé personne. Bon, si, pourquoi? Ça fonctionne pas mal quand même, Gad Elmaleh et tout. Il y a quand même pas mal d'humoristes oui, qui fonctionnent avec ça. C'est vrai.